Asseyez-vous dans sa présence. Salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois le bienvenu. Dis-lui, tu es au bon endroit, assis à côté de la bonne personne. Dis-lui, sois le bienvenu dans la méga-église du 77. Alléluia. On va le répéter. Regarde ton voisin. Dis, voisin, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas où tu es assis. Tu es assis dans la méga-église qui va impacter tout le 77, toute l'île de France et bientôt la France. Dis-lui, voisin, tu es assis au bon endroit, à côté de la bonne personne. Dis-lui, tu as le privilège d'être assis à côté de moi. Oh, tu as le privilège, tu as encore le temps de prendre mon numéro de téléphone. Oh, je te rassure, voisin. Je te rassure, voisin. Bientôt, très très bientôt, tu seras obligé de passer par mon secrétariat. Alors, voisin, profite de ce moment. Profite de ce moment que je sois assis à côté de toi. C'est un privilège pour toi. Christ est en moi. Christ est en moi. Et il est l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alors, voisin, je suis en chemin pour mon élévation. Je serai élevé pour m'asseoir parmi les grands. C'est terminé. Les petites choses. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous en ferez des plus grandes. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole. Amen, amen, amen. Oh, ton acclamation m'ennuie. Ton acclamation m'ennuie, mon ami. Alléluia. Oh. Ah. La foi est une ferme assurance. Alléluia. Ce matin, je suis venu avec deux messages. Et j'étais en train de demander au Seigneur, mais lequel? Parce que depuis avant-hier, l'Esprit de Dieu me donne qu'une parole et qui dit ceci. Monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Depuis hier, j'étais assis dans une réunion quelque part et j'entends dans mon esprit, monte sur la montagne. Monte, dis à ton voisin, monte sur la montagne. Dis-lui encore, monte sur la montagne. À chaque fois que Dieu veut parler à un homme ou à une femme, Dieu lui donne un lieu de rendez-vous. C'est pour cela que lorsque tu vas à l'église, tu ne vas pas pour aller à l'église, tu vas pour rencontrer Dieu. Tu dois être dans l'expectative de rencontrer le Seigneur et de rencontrer son temple. Écoutez-moi, mon ami. Nous avons dévalorisé ce qu'on appelle l'église du Seigneur. L'église a perdu de sa splendeur et de sa force. Lorsque certains hommes de Dieu montaient sur la montagne, ils allaient adorer Dieu parce que Dieu leur donnait rendez-vous quelque part. Et ce matin, ton rendez-vous, c'est à l'église. Oh, moi je dis une chose, Jésus n'aurait pas dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'aurait jamais dit cela. Il n'a pas dit sur cette pierre, je bâtirai ma cellule de maison. Non. Il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors tu vas me dire, mais pasteur, mais les cellules sont bonnes. Je te dis, oui, les cellules sont bonnes. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit rajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Alors si tu as un F4, et que le Saint-Esprit en 365 jours remplit ta maison, tu es obligé d'aller quelque part. Et tu prends un bâtiment comme celui-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, les messages qui disent que l'église n'est plus importante, moi je dis que cela vient de l'enfer. Parce qu'on bâtit de plus en plus de mosquées. On bâtit de plus en plus de temples bouddhistes. On bâtit de plus en plus de lieux où les gens vont se réunir. Et il y a des faux prophètes qui viennent avec un message différent et qui dit que l'Église n'est pas importante. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens farfelus, des gens qui ne connaissent pas leur identité et qui ne savent pas où ils vont. Ils vont de maison en maison, pensant parler de la part de Dieu. Mais ils ne savaient pas que Dieu a placé d'abord dans l'Église les apôtres, les prophètes et le reste. Amen. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Dis à ton voisin, monte. Dis-lui, monte encore. Alors prends ton livre dans Genèse chapitre 22 et nous allons entrer dans le vif de notre message. Je veux valoriser ce que Jésus valorise. Jésus valorise l'Église. Toute personne qui parle contre l'Église est un envoyé de l'enfer. Alléluia. Dis-le ou ne le dis pas. Je te dis, si tu combats l'Église, tu combats Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons parlé de Saul, dit l'apôtre Paul. Il emprisonnait les chrétiens, il les mettait en prison, il voulait leur faire du mal. Et Jésus l'a stoppé sur la route de Damas et lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ah, parce qu'il était en train de persécuter l'Église. Oh! Et aujourd'hui, l'enfer persécute l'Église. Moi, je dis, monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Alors, tu vas prendre ta Bible dans Genèse chapitre 22. Et nous allons aller... Nous allons commencer juste lire le chapitre 1er. Genèse chapitre 22, verset 1er. On va juste lire. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Voilà qu'Abraham qui attendait un fils pendant des années avec Sarah. Et Dieu subitement dit, je vais tester Abraham. Mais je vais tester Abraham, mais je ne vais pas le conduire près d'un fleuve, mais je vais le conduire à une montagne. Mais je ne lui dis pas encore quelle est la montagne sur laquelle je vais lui demander d'aller. Mais en chemin, je vais lui donner la direction pour qu'il puisse monter sur cette montagne. Et sur cette montagne, je vais me révéler à lui. Je vais me révéler à lui. Et vous allez voir, mes amis, ce matin, que la plupart des leaders de la Bible, Dieu leur a toujours donné rendez-vous sur une montagne. Montagne, c'est le lieu où Dieu parle à son peuple. Sur la montagne, c'est là où tu abandonnes le monde, où tu utilises tes propres forces pour monter quelque part. Et après tes efforts, Dieu va s'installer pour pouvoir te parler. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Tu vas aller au verset 13. Nous allons aller vite parce que nous avons beaucoup de versets bibliques à lire. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Lisez le verset 14 avec moi. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une montagne? Parce qu'il y a des gens qui sont nés à Paris et ils ne savent pas ce que c'est une montagne. Mais si vous ne savez pas ce que c'est une montagne, Vous allez taper sur Google une montagne. Vous allez voir ce que c'est. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mes amis, à chaque fois que tu veux que Dieu agisse, ne reste pas dans ta propre maison. Ne reste pas installé là où tu es installé. Va à la montagne, le lieu du rendez-vous, le lieu de la rencontre, le lieu de ton miracle, le lieu où Dieu agira. Monte sur la montagne, va quelque part où tu sais que Dieu vient au milieu de son peuple. Sur la montagne maintenant, il y a une montagne dans cette ville. Il y a une montagne à mots. La montagne à mots, c'est la chapelle de la foi. Viens dans cet endroit. Oh non, ton amen est trop mort. J'ai dit, la montagne dans cette ville. Écoutez l'homme de Dieu. Trop d'entre vous me connaissent sous le nom du Pierre-Yves. Ou Pierre. Non, mon ami, viens à la montagne. Rencontrez le Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit à tous tes besoins. Le Dieu qui est sur le point de déplacer n'importe quoi pour toi. Mon Jésus, ce lieu sera appelé un lieu redoutable. Un lieu où Dieu va répondre. J'ai dit Dieu va répondre. Dieu a dit à Abraham, monte, va sur cette montagne. Et lorsqu'Abraham monte, il monte avec son fils. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais Dieu dit, écoutez-moi, lorsque Abraham, lisez avec moi, alléluia, verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson. Lorsque Abraham arrive là-bas, le bélier n'est pas là, mes amis. Ton miracle doit être surnaturel. Parce que nous servons un Dieu qui est, lui, surnaturel. Écoutez-moi, le problème avec l'Église, l'Église parle d'un Dieu surnaturel. Mais si Dieu commence à faire des actions miraculeuses, on commence à voir la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un me comprend? On commence à dire que c'est pas normal, que c'est anormal. Mais mes amis, qu'est-ce que vous voulez? Un Dieu normal ou un Dieu surnaturel? Alors le surnaturel ne peut pas être compris par les hommes. C'est pour ça lorsque nous déclarons que des maladies vont quitter des corps. C'est pour ça que nous déclarons des miracles venus d'ailleurs, inattendus, extravagantes, peuvent se passer à un instant. Alléluia! J'ai dit alléluia! J'ai dit alléluia! Le Jéhovah Jireh, c'est le Dieu de l'inattendu. C'est le Dieu qui pourvoit à tes besoins là où tu ne t'attendais pas. C'est le Dieu capable de changer n'importe quelle situation, rien que pour toi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Pour moi, je suis en train de comprendre qu'il n'est pas normal de servir un Dieu surnaturel et de rester normal. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que les choses changent. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis-le encore, il faut que ça change. Dis-le encore, il faut que ça change. Alléluia. J'ai dit alléluia. Si Dieu a pourvu pour Abraham, s'il dit bien si Dieu a pourvu pour Abraham, c'est pas lui qui a dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. C'est pas lui qui l'a dit. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas lui qui l'a dit. Alors s'il l'a fait pour Abraham, il le fera aussi pour Pierre-Yves. J'ai dit, il le fera aussi pour Pierre-Yves. Mais écoutez-moi, Abraham avait une particularité. Il était obéissant à Dieu. Et aujourd'hui, très peu de personnes sont obéissantes à Dieu. Oh, que des gens floconnés, pas prêts à payer le prix. Dieu a testé l'amour d'Abraham. Dieu l'a testé. Vous avez entendu ce que l'ange lui a dit? Il lui a dit, Car je sais que maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, je sais maintenant. Il y a un temps où Dieu va vous mettre à l'épreuve. Je vous dis, Dieu va vous mettre à l'épreuve. Dans ce pays, je connais la mentalité des gens. Ils veulent la bénédiction sans la souffrance. Ils veulent la bénédiction sans passer par les moments difficiles. Lorsque les temps sont secs, lorsque les temps sont durs, lorsque les choses sont difficiles, ils se retirent comme des lâches et voudraient que Dieu agisse. Mon ami, si tu as laissé Dieu dans les temps difficiles, dans les bons moments, il sera plus facile pour toi de te tailler. Mais écoutez-moi, vous voulez éprouver un ami? Vérifiez quand vous avez des problèmes. S'ils sont là. S'ils ne sont pas là, ce ne sont pas des amis. Si vous, vous le faites, alors à bien plus forte raison, le Dieu vivant sur le ciel. Alléluia. Quand Dieu a donné la promesse à Abraham, et que Abraham a été testé, Dieu l'a appelé le Père des nations. Parce que Dieu savait qu'il ne lui a pas refusé son fils unique. Parce qu'aux yeux de Dieu, Ismaël, l'enfant d'Agar, n'était pas le fils d'Abraham. Ce n'était pas le fils de la promesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons trop de chrétiens floconneux. Moi, je vois les gens, ils vont en réunion quand ils veulent. Mais quand tu montes sur la montagne, l'on doit du rendez-vous avec Jéhovah Jireh. Et même si tu veux voir rien se passer, tu restes sur tes genoux, tu restes dans la prière jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Alléluia. Dieu est en train de tester beaucoup d'entre vous. Vous lui avez demandé des miracles, mais vous êtes infidèle. Infidèle dans sa présence. Infidèle sur la montagne. Sur la montagne, la seule chose que Dieu voit, c'est le vent qui souffle. Mais le vent vient de Dieu. Dieu attend. Où est ses enfants? Où est ses enfants? Ses enfants sont assis devant une télévision, courant à droite et à gauche, mais ne manifestant pas le désir de rencontrer Jéhovah Jireh. Mes amis, Dieu est fidèle. J'aime mon ami le pasteur Claude. Il dit aux gens ceci. Un jour, quelqu'un lui a dit, pasteur, je ne te vois pas. Pasteur Claude lui a dit, tu ne me vois pas. Mais tu connais mon numéro de téléphone. Tu connais mon adresse. Il dit, mais pasteur, je ne te vois pas. Pasteur Claude lui dit, moi je suis comme Dieu. Si tu t'approches de moi, je m'approche de toi. Si tu t'éloignes de moi, je m'éloigne de toi. Oh, je vous annonce que dimanche matin, pour l'anniversaire de l'église, le pasteur Claude sera au milieu de nous. Il va apporter la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Invitez vos amis. Moi, je l'appelle le bulldozer. Le bulldozer. Quand il passe, il fera un chemin. Et il ne blague pas avec les choses de Dieu. Alléluia. Nous allons continuer. Il faut que tu apprennes à monter au mont du Morija. Il faut que tu ailles sur la montagne. Rencontrer Dieu. Il faut que tu aies la persévérance. Vous savez que chaque semaine qui passe, j'attends le mercredi, Eric. J'attends cet instant. J'ai dit, Dieu, fais qu'il soit mercredi. Et quand mercredi est passé, Seigneur, que vendredi arrive. Et quand vendredi est passé, Seigneur, dimanche soir là. Vous savez que ma femme ne m'a pas vu ce matin, elle me voit que là maintenant. Elle ne m'a pas vu. Mes enfants ne m'ont pas vu. Le jour n'était pas encore levé que j'étais déjà dans l'église. Je veux monter sur la montagne. Je vous ai dit il y a quelque temps, je veux trouver ce que Benson Idahosa a trouvé. Je veux trouver ce que les T.L. Osborne ont trouvé. Ces hommes avaient faim de Dieu. Ils n'étaient pas là pour... Personne ne les encourageait pour aller chercher Dieu. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a la bénédiction, qu'il y a l'onction pour que quelqu'un puisse aller. Je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'il y a l'onction, qu'il y a la bénédiction. Je veux poursuivre Dieu. Je veux poursuivre Dieu. Je veux poursuivre Dieu. Je veux faire comme Jacob. Je ne veux pas lâcher l'ange. Je veux dire à Dieu, aussi longtemps que je suis sur la terre, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me bénis. Jusqu'à ce que ta main soit sur ma vie. Seigneur, poursuivre Dieu. Ne pas le lâcher. Monter sur la montagne. Ah. Oh mon Jésus. Nous allons continuer. Un homme de Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, l'onction qui est sur sa vie, il m'a dit, les gens ne savent pas. Mais c'est l'onction pour faire ce que je parle de lui. Il m'a dit, pour faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai été rejeté. Personne n'a cru en moi. Les gens m'ont abandonné. Ils m'ont traité de sorcier, ils m'ont traité de toutes choses. Mais maintenant, ils voient la grâce et l'onction. Je vous dis une chose, l'onction passe par la persévérance. L'onction passe par le rejet. L'onction passe par la perte. L'onction passe par la souffrance. L'onction passe par l'oubli, mes frères et mes sœurs. Et écoutez-moi, l'église d'aujourd'hui poursuit Dieu pour que Dieu puisse guérir. Mais toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Ton temps, tu le prends pour toi. Et la bénédiction, tu le veux pour toi. Mais mes amis, si c'est ça, va vendre de la drogue. Si c'est ça, va dans la mafia. Ne cherche pas Dieu pour qu'il puisse te donner quoi que ce soit. Comment on peut traiter un Dieu aussi merveilleux comme cela? Comment on peut tant l'ignorer, le bafouer, le rejeter? Comment on peut faire? Parfois je me dis, Seigneur, mais ils sont convertis ou pas? Ils t'ont rencontré ou pas? Celui qui rencontre Jésus ne peut plus être le même. Quand tu rencontres Jésus, mon ami, tu as le désir de le servir, le désir de te donner à lui, le désir d'être à ses pieds. Pierre a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Mes amis, montez sur la montagne. Montez sur la montagne. Montez sur la montagne. Vous n'en avez pas assez de cette vie que vous menez? Moi, j'en ai assez. Je veux une vie où je vais dans sa présence. Je veux une vie où Dieu radicalement fait quelque chose d'exceptionnel. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Amen. Le Dieu qui pourvoit. Genèse chapitre 31. 31. Il n'a pas été appelé le père de la foi pour rien. Si tu donnes à Dieu, Dieu te donnera. Mais si tu gardes et que tu ne lui donnes pas ta vie, il ne pourra rien faire. Même dans sa grandeur, dans sa puissance et dans son amour, il ne peut rien faire parce qu'il sait qu'il t'a tout donné. Alléluia. Moi, je suis tellement triste pour ce pays. Hier, j'étais quelque part, un grand homme de Dieu, un homme qui a 70 ans aujourd'hui et qui a changé la vie de milliers de personnes. On fait une conférence à Paris avec cet homme et très peu de personnes viennent. Je me suis dit, ce pays a un problème. J'ai dit, mais un homme, 70 ans, plus de 50 ans de mariage, son père va avoir au mois de janvier 100 ans. Et il prend soin de son père. Et hier soir, il parlait d'une qualité de message. Il dit, je n'ai jamais élevé la voix sur mon père. Des choses de qualité comme cela. Un homme que Dieu a béni, qui mangeait des pâtes de poulet et des coups de poulet, qui a vécu dans la pauvreté, d'une famille de 9 enfants. Son père était prédicateur, a bâti 7 églises, et il disait, nous étions pauvres, vraiment pauvres. Et à cause d'une révélation, cet homme vit une vie incroyable. Il vit vraiment une vie incroyable. Et je connais la mentalité française. Et je disais à mon épouse, dans ce qu'il est en train de parler, il est combattu parce que les gens ne croient pas. À cause d'une offrande de 200 € que cet homme a semé parce qu'il a entendu Dieu. 200 $ qu'il a donné, qu'il a semé. C'est les seuls 200 $ qu'il avait. Il l'a donné à Dieu, à un prédicateur. Il a semé. Et cela a déclenché pour sa vie. Un seul exemple que je vous donne. Un homme d'affaires lui donne chaque année une voiture. Il lui a dit, je te donne une dernière Mercedes chaque année jusqu'à la fin de tes jours. Mais je ne dis pas de poursuivre Dieu parce que pour le matériel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais l'obéissance à la voix de Dieu. Comment se fait-il qu'il y a des réunions sur une montagne et que les gens ne s'en rendent pas compte? Je pleure pour ce pays. Quand vous êtes chez vous, j'ai honte pour vous. Moi, je vous dis, j'ai honte pour vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ta maison que dans la maison de Dieu? J'ai honte. J'ai honte. Allez le vendredi devant au champ. Le vendredi après-midi. Il n'y a pas de place où mettre des véhicules. Les musulmans sont au rendez-vous. Il n'y a pas de place. La mosquée est remplie. Les chrétiens sont chez eux. Seigneur, aie pitié de l'Église. Aie pitié de l'Église. L'Église qui devrait être une réponse pour le monde. Elle n'est pas au rendez-vous sous le mont Morija. Alléluia. Jésus est-il mort en vain? S'est-il donné pour rien? Pierre et Jean allaient à l'heure de la prière, ils allaient quelque part, ils ont produit un miracle. Jésus, à l'âge de 12 ans, lui passe son temps dans le temple. Et nous, chrétiens du 21e siècle, qu'est-ce que nous faisons? Mon Dieu. Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié de ce pays. Aie pitié. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que je vais faire à l'église? Ah bon? Ah bon? L'église, c'est un lieu de rendez-vous. Si Jésus a dit, sur cette église, je bâtirai. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il sait. Continuons. Excusez-moi, je suis un passionné. Je suis passionné. Je ne sers pas Dieu pour avoir quoi que ce soit. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas quitté l'église. Je n'ai pas quitté l'église. Je ne sais pas à qui je disais cette semaine, quand j'ai acheté la Bible, quand j'étais à l'église, je n'ai plus jamais quitté l'église. Si nous perdons ce que les anciens ont bâti, un jour viendra, pas dans ma période, peut-être après, que le mot église n'existera même plus. Parce que les gens auront délaissé ce que Christ avait laissé. Pas dans ma période. Si longtemps que je serai vivant, même s'il y a 3 ou 4 personnes dans l'église, nous allons l'adorer là. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Genèse 31, à partir du verset 22. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui le lit? avec lui ses frères. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Alléluia. Relis-le encore. Il prit avec... Non, le 3e jour. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galaad. Jacob quitte la maison de Laban. Laban le voleur, Laban le menteur. Et lorsqu'il quitte sa maison, nous voyons que là où Jacob va se réfugier, Jacob va se réfugier à la montagne de Galaad. Mais avant d'arriver à la montagne de Galaad, voilà que Dieu va rencontrer Laban. Et voilà ce que Dieu va dire à Laban. Dieu va lui dire ceci. Continue verset 26. Alors, non, au verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'Araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Alléluia. Laban veut aller attraper Jacob. Mais Jacob est sur la montagne. Et au pied de la montagne, Dieu dit à Laban: garde-toi de parler de Jacob, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Dieu lui dit: non, n'essaie pas. Jacob est sur la montagne, en train d'évoquer l'éternel Dieu Tout-Puissant. Il ne va pas faire la guerre. Il est sur la montagne, en train de parler à Dieu. Et Dieu, du haut des cieux, parle à Laban. Quand tu es un homme qui passe ton temps sur la montagne, je te garantis une chose: la main et le regard de Dieu sera sur toi. Tes ennemis verront la main puissante de Dieu. J'ai dit tes ennemis verront la main puissante de Dieu. Vous savez, Jésus a donné l'expérience à Pierre. Il lui a donné l'expérience à Pierre. Nous l'avons lu dans Actes chapitre 12. Qui était là? Qui était là qui a lu Actes chapitre 12? Très peu de personnes. Alors, lisons-le rapidement. Actes chapitre 12. Tu peux le lire. Il faut aller vite, il faut aller vite, il faut aller vite, parce que là, nous devons accélérer. Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Vas-y. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vas-y encore. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Alléluia. Regardez mes frères et mes sœurs. Regardez. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable, qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent Pierre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, mes frères et mes sœurs, Pierre était sur la montagne de transfiguration avec Jésus. Et là, ils ont vu Élie. Et là, ils ont vu Moïse sur la montagne de transfiguration. Et à cette époque, Pierre passait son temps dans la présence de Dieu. Mais voilà que Hérode attrape Pierre. Et il voulait le faire la même chose qu'il a fait aux frères de Jean, c'est-à-dire Jacques, le tuer. Mais ils n'ont pas pu le faire. J'ai dit ils n'ont pas pu le faire. Parce que, écoutez-moi, ils ont eu Jacques, mais ils ne pouvaient pas avoir Pierre. Pourquoi? Pierre avait une grande destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu as une grande destinée, cette destinée, tu dois le mettre au service du Seigneur et non pas à tes propres services. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu t'a appelé à être un homme de Dieu, ne cherche pas à être un homme d'affaires ou un chef d'entreprise. Cherche à être ce que Dieu t'a appelé à faire. Monte sur la montagne, monte sur le mont Morija et fais ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Beaucoup trop de personnes n'ont plus confiance en Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu va pouvoir à leurs besoins. Mais voilà qu'on voulait attraper Pierre. Et c'est surnaturel. Le sur, là-bas, vous avez vu ce qui est arrivé à là-bas. Dieu lui parle pendant la nuit. Regardez ce qui se passe. Regardez. Après l'avoir saisi et jeté en prison, verset 4, il le mit sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser à lui, pour lui quoi? L'Église ne cessait d'adresser quoi? Ah mes amis, comment tu veux que des miracles se passent si tu n'es pas avec l'Église, en train d'invoquer Dieu, en train de secouer le ciel, en train d'attaquer l'enfer? Si tu es chez toi, comment tu veux que les miracles se passent si tu veux voir Dieu agir? Ils étaient dans Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, ils étaient en train d'invoquer Dieu, ils voulaient voir Dieu agir. Mes amis, si tu veux voir Dieu agir, il faut que tu te rassembles. J'ai dit, il faut que tu te rassembles. Amen. Dis à ton voisin, monte sur la montagne. Dis-lui, monte sur la montagne. Oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Pierre, on le met entre 2 soldats. On dit, on veut s'assurer que cet homme ne quitte pas ce lieu. On veut s'assurer. Après l'avoir saisi, jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. Et de soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Hérode avait un plan concernant la vie de Pierre. Moi je te dis, quand tu as une destinée, peu importe qui a un plan contre ta vie. J'ai dit, peu importe qui a un plan contre ta vie. Il est temps qu'on voit le Dieu qui est apparu sur le mont Morija. Il est temps qu'on voie le Dieu qui a toujours apparu sur les montagnes. Il est temps que tu voies Dieu agir dans ta vie. Si un sorcier prend des poulets ou des canards ou des chats noirs et puis sont en train de faire des transes te concernant, moi je veux te dire une chose, du haut des cieux, Dieu le parlera. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur. Je vous rappelle qu'aucun ange ne quitte le ciel si Dieu ne leur donne pas l'autorisation. Ah, je vous dis, oh, Daniel était la même chose. Daniel, dès l'instant où tu t'es mis à prier, Dieu a envoyé un ange pour Daniel. Un ange pour Daniel. Et regardez ces gens. Dieu n'envoie pas l'ange pour n'importe qui. Dieu envoie l'ange pour ceux qui le servent. J'ai dit pour ceux qui le servent. Tu t'es jamais demandé, mais pourquoi tant de choses t'arrivent? Tant de choses t'arrivent parce que tu ne sers pas Dieu. Oui. Et même si tu servais Dieu et quelque chose t'arrivait, tu le sers jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant sur le côté et en disant, « Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. » Écoutez, il est dit que Pierre était attaché avec 2 chaînes. Lisez ce qui se passe. Lisez, lisez, lisez. Plus fort que ça. Est-ce que quelqu'un avait détaché les chaînes? Alors, les chaînes se sont détachées comment? Dis-le, surnaturellement. Alléluia. Alléluia. Je déclare que dans cet endroit, au son de ma voix, par la prédication de la parole qui élève Jésus-Christ, que ceux qui ont des chaînes, mais qui veulent servir Dieu, je déclare que ces chaînes sont maintenant brisées, au nom puissant de Jésus. voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». My Jesus. Oh mon Jésus. Oh mon Jésus. Quand tu as une destinée, tu ne vas pas mourir n'importe comment. Amen. Un homme de Dieu était dans un avion. Et voilà qu'on annonce que l'avion perd de l'altitude parce qu'il y a une panne. Pendant que tout le monde criait dans l'avion, cet homme a regardé au Seigneur, a dit « Seigneur, tu m'as appelé, j'ai une destinée. J'ai une destinée, Seigneur. J'ai une destinée, Seigneur. » Lorsqu'il a dit ça au Seigneur et après il a parlé, il a déclaré « Avion, redresse-toi » L'avion se redresse. Il y a des dimensions dans lesquelles il nous faut entrer. Écoutez-moi, moi j'en ai assez de ces choses naturelles. Parler de la Bible, de ne rien vivre surnaturel. Je veux vivre les choses de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit écoutez-moi bien. Ce matin, maintenant je suis de plus en plus audacieux. De plus en plus audacieux, je dois servir Dieu à d'autres niveaux et avec d'autres capacités. Pendant que tu as les yeux fermés, je suis en train de prier. Je dis là où l'enfer a posé ses mains, là où l'enfer t'a enchaîné ce matin, je le déclare dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, par les pouvoirs qui m'ont été conférés. J'ordonne à ces chaînes de te libérer maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Je dis, tu es libéré maintenant. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et être attaché. Si tu as une grande destinée, à cause de ta destinée, le ciel réagit maintenant. J'ai dit, le ciel réagit maintenant. J'ai dit, le ciel réagit maintenant. Oh my God. Prenez l'exemple de Joseph. Il avait une destinée jetée dans une citerne. Prenez l'exemple de Jésus. Oh mon Dieu, il avait une destinée, mais ils ont voulu le clouer sur la croix. On ne cloue pas quelqu'un qui a une destinée. Oh mon Dieu, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, oh mon Dieu, il est temps que ta destinée sorte, que tu saches à quoi Dieu t'a appelé. Tu ne vas pas être retenu par une maladie. Tu ne vas pas être retenu par de la sorcellerie. Tu ne vas pas être retenu par quelque chose. Jésus. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir eu une vision. C'est ça le problème. L'Église demande le surnaturel, mais après ne s'attend pas au surnaturel. Il y a des gens qui sont assis là, mais qui sont en train de dire, mais ce qu'il dit là, ça n'a pas de force parce qu'on ne voit rien. Mon ami, les choses invisibles sont plus visibles que les choses visibles. Lorsqu'ils eurent, verset 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Les anges de Dieu sont là pour vous servir. Quand vous servez Dieu, Dieu vous envoie des serviteurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi, Seigneur, envoie ton ange pour moi. Alléluia. Dis-lui encore, Seigneur, envoie ton ange Alléluia. Dans Genèse chapitre 31, verset 29. Voilà ce que dit Laban à Jacob. Laban ne sait pas qu'il parle à un homme de destinée. Peut-être que quelqu'un t'a menacé cette semaine, mais il ne sait pas qui tu es. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne sait pas qui tu es. Dis avec moi, il ne sait pas qui je suis. Dis-le encore, il ne sait pas qui je suis. Dis-le encore, il ne sait pas qui je suis. Dis-le encore, il ne sait pas qui je suis. Alléluia, ils ne savent pas qui tu es. Écoutez ce qu'il lui dit, verset 29. « Ma main est assez forte pour te faire du mal. » Oh, tu peux parler là-bas. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais je sais que j'étais sur la montagne de Hama. J'étais sur la montagne de Galaad. Je sais ce que j'ai dit à Dieu. Et voilà ce que Laban lui dit. « Ma main est assez forte pour te faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier. Dieu m'a dit hier. Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Dis avec moi, mon ennemi, demain, tu vas rencontrer Dieu. Car moi, je serai sur la montagne. Et tu entendras Dieu qui va te dire ce que je te dis maintenant. Tu ne parleras pas de Pierre-Yves, ni en bien, ni en mal. Alléluia. Tu mets ton nom. Tu mets ton nom à toi. J'ai dit, tu mets ton nom à toi. Tu mets ton nom à toi. J'ai dit, tu mets ton nom à toi. Je déclare que ce matin, que tous tes lieux de travail, là où on t'attaque, là où des ennemis se sont formés contre toi, là où des projets ont été proclamés contre toi, je déclare que ce matin, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, je casse leur pouvoir, je brise leur pouvoir, j'écrase leur pouvoir. Tu es maintenant libéré, tes chaînes sont brisées, l'ange de Dieu leur parle maintenant. Ils ne parleront pas à toi, ni en bien, ni en mal. Alléluia. Alléluia. Ceux qui te voulaient du mal vont passer à la phase de négociation avec toi. J'ai dit, ils vont négocier 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 avec toi. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Ils vont négocier avec toi. Alléluia. Prends ta Bible avec moi dans Exode chapitre 3. J'ai du temps. Alléluia. Alléluia. Ou plutôt, va dans Ésaïe plutôt. Va dans Ésaïe, chapitre 2, et verset 3. Alléluia. Philippe, est-ce que tu peux lire? « Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Continue. « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des oyaux, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'en prendra plus la guerre. » Je relis. il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élevera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Alléluia. J'ai dit alléluia. Montons à la montagne de l'Éternel. Il nous enseignera. C'est à la montagne que Dieu t'enseigne. Tu ne peux pas t'enseigner toi-même. Si tu t'enseignes toi-même, moi je vais juste aller prendre quelques cours de chirurgie sur Internet et te dire que je suis capable de faire. Si tu as une opération à faire, on va ouvrir une table au fond du jardin et on va t'ouvrir. Est-ce que tu vas l'accepter? Alors, c'est pour ça que je dis que ceux qui sont... Si tu viens à l'église une fois par semaine, tu es vaincu parce que tu n'es pas enseigné. C'est à la montagne de Sion que Dieu enseigne. Je n'ai pas vu de prédicateur net en venant à l'église une fois de temps en temps. Vous vous trompez. C'est à la montagne de Sion que Dieu t'enseigne. Les auto-personnes qui s'enseignent, tout seul, il y a des gens qui te disent, mais moi je sais. Il y a quelqu'un, je ne veux pas vous donner son nom, il a donné sa vie au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur un petit mois. Et le mois d'après, on lui a dit... Il faut aller à l'école biblique au pied du maître pour que le pasteur Sylvain t'enseigne les bases et la vie en Christ. Pas simplement les bases, parce qu'il enseigne les bases et il monte à des niveaux. La personne a dit, moi je connais le Saint-Esprit, je connais la Bible depuis longtemps. Un an après, il est prêt à sortir du couteau sur les gens. Oui. Un an après, il sort son couteau. Quelques mois après, dans les rues, il injure. Tu n'as pas été enseigné. Lorsque tu es enseigné, tu viens... Écoutez-moi, Dieu va toujours utiliser un homme pour vous enseigner. Amen. Moi, je connais les orgueilleux. Moi, c'est Dieu qui va m'enseigner. Ah bon? Ah bon? Alors pourquoi il a mis les 5 ministères? Pourquoi il a mis les 5 ministères? Ah, Dieu va m'enseigner. Éphésiens 4.12. Vous voulez qu'on le lise? Alors lisons Éphésiens 4.12. Aujourd'hui, vous dites, pasteur Pierre-Yves, mais vous avez fait quoi? Moi, je me suis assis pendant 22 ans sur des pasteurs et à l'école biblique. Je ne suis pas un autoproclamé. Je suis soumis à des hommes de Dieu. S'ils me disent, assieds-toi, mon pasteur, je suis sorti prêcher au Congo, à Brazzaville, en 1992. Et j'arrive, il y avait des choses extraordinaires, 2500 personnes. Des choses extraordinaires se passent. Je vais, je raconte à mon pasteur tout ce qui s'est passé. Il me dit, assieds-toi. Je me suis assis et il m'a mis à la librairie. Et j'étais à la librairie. J'ai dit, mais j'étais frustré au fond de moi. J'ai dit, quoi? J'ai vu des miracles et moi, il me prend, moi, Pierre-Yves, là, il me met. Mais heureusement qu'il m'avait dit de m'asseoir. Parce que si à l'époque j'avais mis les pieds dans le ministère, il se peut même que je serais devenu païen. Parce qu'avec les méchancetés des gens de l'église, dîner de nouveau, avec autant de méchanceté, il y a de quoi fuir. Éphésiens 4.11. On va tous le lire ensemble. 4.11. Hein? À toi. 1, 2, 3. Si vous savez lire et comprendre, il y a des dons qui sont donnés à l'Église pour te faire grandir. Et je connais des gens, ils ne veulent pas se soumettre à personne. Mais écoutez-moi, ça va faire presque 30 ans que je suis au Seigneur. Toutes ces catégories d'esprit ne vont nulle part. Je n'ai pas vu un seul dans le ministère aujourd'hui. Pasteur Sylvain, tu en es témoin. Pasteur Sylvain, as-tu vu un seul de ces personnes dans le ministère aujourd'hui? Tu n'es soumis à personne. Qui va se soumettre à toi? Tu es soumis à personne. Qui va se soumettre à toi? Il faut apprendre à se soumettre avant de demander aux autres de se soumettre. Alléluia. Alors quand vous voyez les autoproclamés, hier soir j'en ai rencontré un. Hier soir j'arrive, j'en ai rencontré un autoproclamé. Il m'a vu, bonjour pasteur. J'ai dit toi là, rappelle-toi. Je suis parti. Des autoproclamés et puis ils sont là. Ceux qui voulaient changer le monde. Soumettez-vous. Moi, dans l'église, j'ai l'œil. Hein. Pensez pas que vous pouvez m'avoir. Dimanche dernier, j'ai prié pour du monde ici. Parce que l'Esprit de Dieu me l'a dit. Les protéger comme les brebis d'Israël. Mettre l'onction d'huile sur eux. Certaines personnes ne sont pas passées là. Parce qu'ils sont trop grands. Quand Dieu veut vous amener quelque part, il va vous tester. Peut-être que tu dis, mais ah oui, ça c'est le petit pasteur Chaubo, un petit du quartier là, en plus un fumeur de drogue, il ne faut pas qu'il me touche, sinon je deviendrai drogué. Mais non, il faut que je parle, il faut que je parle. Je suis soumis à Dieu, vous ne pouvez pas savoir. Vous savez, la vie que je mène, parfois met des tensions dans ma vie avec ma femme. Parce que je suis consacré. Vous ne savez pas ce que c'est consacré. Chaque fois que je me réveille, c'est pour Dieu. Chaque chose que je fais, c'est pour Dieu. Je ne blague pas. Dieu, roi des gens, pour enseigner, pour que tu puisses grandir. J'ai vu des gens dans cette église commencer à grandir, à atteindre au début. Je les vois. Je les vois. Je les vois grandir. Dieu va les amener juste à un niveau. Après, Dieu va les libérer. Parce qu'ils ont appris à se soumettre. Moi, il y a des pasteurs que je connais. Je les sers. Moi, je suis là comme un boy. Je les sers pour pouvoir avoir. Élisée a servi Élie. Il versait de l'eau sur la main d'Élie. Et bien, il savait ce qu'il voulait. Quand tu te rabaisses, ce n'est pas que tu deviens petit, mais tu transformes ton cœur. Tu transformes ton cœur pour servir. Et après ça, vous savez, l'onction que j'ai là aujourd'hui n'a pas toujours été à cette hauteur-là. Et l'onction que je dois avoir, je ne suis pas encore arrivé dedans. Parce que je dois être qualifié pour pouvoir y aller au fur et à mesure. Lisons les Écritures. Restez toujours attachés à la parole. Ne courez pas après autre chose. Restez attachés aux Écritures. Dis avec moi, monte sur la montagne. Dis-le encore, monte sur la montagne. Lorsqu'il est dit dans Ésaïe chapitre 2, il dit, il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élevera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et ils diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Dis à ton voisin, montons. Dis à un voisin, monte. Monte à la montagne, à la maison de Dieu, afin qu'il nous enseigne ses voies. Lorsque tu vas à la montagne de la maison de Dieu, Dieu va t'enseigner ses voies. Il parlera à travers ses serviteurs. Il touchera ton cœur. Il te donnera des directives. Il te parlera. Le Saint-Esprit va amplifier les messages de son serviteur pour conduire ta vie. J'ai entendu un homme de Dieu dire quelque chose de tellement précieux. Il dit... un homme ou une femme est venu le voir et lui dit, mais je n'ai pas de travail, je n'ai pas de maison. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il faut que tu voies quel est le serviteur de Dieu que tu as maltraité. Parfois le ciel est fermé sous la vie de personne. Moi j'ai eu quelqu'un dans mon bureau qui m'a dit, mais j'ai donné des CV, ça donne l'impression qu'on m'a pris, mais dès lors que quelques jours après, on me refuse, et ça fait des années que ça dure. Mais c'est la première personne qui critique tout le monde. Tu ne peux pas toucher à un oin et t'attendre à ce que le ciel te valide. Je vous dis, certains d'entre vous regardez votre vie. Il y a des gens, ils ont des maladies qui ne quittent pas. Les plus grands, des hommes de Dieu ont prié pour eux. Pourquoi Dieu ne les libère pas? Parce qu'ils ont fait du mal au corps de Christ. Pour Dieu, il vaut mieux que certaines personnes quittent la terre, aillent au ciel, pour ne pas continuer de faire du mal au corps. Pourquoi Dieu te bénirait? Pour que tu puisses avoir plus de pouvoir pour semer ta gangrène. Moi, j'ai un pasteur en Allemagne qui m'a dit que quelqu'un de l'église l'a appelé. Quelqu'un d'ici à l'Allemagne. Ils n'ont pas d'amour ici. Ah bon? Comment on peut faire ça? On n'a pas d'amour, Eric. Tout ce qu'on fait. Avant ça, un pasteur des États-Unis m'a appelé. Oui. Quelqu'un aussi l'a appelé. Pour dire, oh, l'homme de Dieu, il ne suit pas l'esprit de Dieu, il ne suit pas les conseils qu'on lui donne. Mais depuis quand Dieu t'a envoyé me donner des instructions? Prendre votre téléphone, appeler le serviteur pour qu'il puisse me parler. Mais vous êtes malade. Aïe, aïe, aïe. Soyez des vrais chrétiens. Quand je vois que Dieu regarde son église et il voit tous ces cinémas, qu'est-ce que le ciel pense? Quel est notre état devant lui? Moi, j'essaie de vivre pour faire le moins de mal possible. Je vous dis, je ne veux pas m'asseoir parler de quelqu'un, je ne veux pas critiquer un pasteur. J'ai dit à mon épouse hier soir, on sortait de quelque part, je lui ai dit, écoute, moi j'ai rien à dire contre ce prédicateur. Rien. J'ai rien à dire, rien, zéro, j'ai rien. Rien, j'ai rien. Semaine au fond, je sème. Fini. Je ne suis pas là à dire oui, mais il a pris l'argent, pourquoi? Non, non, ce n'est pas mon histoire. Je sème, c'est tout, terminé. Vous savez, si vous ne vous disciplinez pas à ne pas suivre votre chair, parce que lorsque vous suivez votre chair, ça fait du bien à votre âme. Bien sûr, ça fait du bien à votre âme. Tu pars, il a, oui, mais il a fait ci, il a fait ça, ça a changé ça, ça. Mais regarde à ta vie, mon ami. Les offrandes existent depuis le livre de Genèse. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Caïn et Abel font une offrande à Dieu, ils l'ont appris où? Non, de leur père Adam et Ève, qui leur ont enseigné ces choses. Dans toute la Bible, la semence, comment dirais-je, les prémices ont toujours été données à Dieu. Et au 21e siècle, non, ça va enrichir les gens, et tatati, tatata. Ah, Jésus. Que Dieu nous aide. Dis avec moi que Dieu nous aide. On va prendre le dernier verset, Isaïe chapitre 30, parce que mon temps est imparti. Ah. J'aime bien le pasteur Sylvain. Le pasteur Sylvain, quand il enseigne, il a tellement de choses qui viennent dans ses pensées, mais pendant qu'il nous dit, bon, mais je voudrais, il revient sur les choses, mais il a tellement de choses, mais il veut le dire, mais dans des classes pour prendre au plus petit niveau, mais pour vous amener à comprendre. J'ai vu quelqu'un, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir la faim, mais d'expliquer les choses, mais de prendre au plus petit degré de l'amener. Et parfois, il faut lui donner des prédications de 2 heures. Lui, c'est 2 heures. Non, non, c'est vrai. Lui, c'est 2 heures qu'il faut lui donner. Je crois que c'est ça qu'on va mettre en place. Lui, c'est au moins 2 heures. À partir de 2 heures, là, il finit un message. Ah, gloire au Seigneur. Ah, et cet homme, j'apprécie sa fidélité. Je vous dis, depuis 6 ans, il est là, il sort de Paris 13e, il est là le vendredi, le samedi, le dimanche. Certains habitent dans des blocs à Beauval, ils ne sont pas là. Et non, et je vois cet homme-là qui est là, qu'il neige, qu'il pleuve, il est là, silencieux, jamais faisons de bruit. Et je dis que c'est une grâce pour le ministère d'avoir un pasteur comme celui-là. Alors, acclamez le Seigneur pour lui. Vous savez, souvent je ne lui dis pas, mais parfois des pasteurs m'appellent, ils me disent souvent, mais toi, tu peux partir quand tu veux, le pasteur Sylvain est là. Et tu as l'équipe derrière encore qui arrive. Et pour eux, voilà, pasteur Pierre, il peut partir, il n'y a pas de problème. L'église continue. Vous voyez? Pourquoi? Le témoignage parle. Le témoignage parle, le témoignage parle, le témoignage parle, le témoignage parle. Ta fidélité, Dieu te récompense tout homme qui est fidèle avec lui. Alléluia. On va lire verset 29. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte. Pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. Quand vous venez à l'église, quand vous vous préparez le matin, quand vous vous préparez en semaine, moi je veux que les réunions de vendredi soient comme les réunions de dimanche. Qu'on enseigne et qu'il y ait la même affluence, la même attente de venir voir Dieu agir et toucher nos vies. Quand tu viens, tu te prépares avec des chants dans ton cœur et tu viens avec l'expectative de voir Dieu faire quelque chose. Tu dis, Seigneur, je vais à la montagne de l'Éternel qui est ta maison. Je vais dans ton église, Seigneur, mais je vais dans l'expectative d'entendre ta voix, d'avoir un toucher et de m'attendre à un miracle. Je n'attends pas qu'on parle de miracle. Je n'attends pas qu'on prie pour moi. Mais je viens dans l'expectative d'être sur la montagne de l'Éternel et de m'attendre à ce que toi tu viennes. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il y a des miracles que vous allez recevoir sans que personne ne prie pour vous. Oui. Comment déclencher Dieu? Seigneur, je vais au mont Morija, là où Jéhovah Jireh pour voir mes besoins. Je vais, Seigneur, j'utilise mes forces, je vais, mais je resterai sur la montagne jusqu'à ce que tu me parles, jusqu'à ce que je voie ta main, jusqu'à ce que je voie ton miracle. Je resterai sur la montagne jusqu'à ce que tu me parles, Seigneur. Ça doit être notre fin, ça doit être notre passion. Être sur la montagne. Dernier verset ou avant-dernier verset. Matthieu chapitre 17. Verset 1er. On ne peut pas terminer sans lui. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre-Yves, Jacques, Jean, son frère. Et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Alléluia. Dis avec moi, sur la montagne. Dis-le encore, sur la montagne. Dis-le encore, sur la montagne. C'est là où je vais trouver Dieu. C'est là où Dieu me parlera. Alléluia. Alléluia. Écoutez, qu'est-ce qui se passe au verset 5? Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, dis avec moi, et voici. Une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Si Pierre n'était pas convaincu, si Jean n'était pas convaincu, là ils sont convaincus. À cause de quoi? À cause de la montagne. Sur la montagne. Brusquement, une voix se fit entendre. Et Dieu parla du haut de la montagne. Mes frères et mes sœurs, il y a des lieux où Dieu veut parler à son peuple. Il y a des lieux où Dieu veut vous rencontrer. Il y a des lieux où Dieu veut vous parler. Il y a des lieux où Dieu veut changer votre direction de vie. Alléluia. Oh my God. Le message est encore long, j'ai encore 2 pages à lire. J'ai encore 2 pages à lire. Je vous dis, c'est tellement sérieux. C'est sur la montagne qu'on doit aller le rencontrer. Nous allons changer cette ville quand nous montons sur la montagne. Je vous dis, les sorciers de cette ville auront des problèmes lorsque nous monterons sur la montagne. Écoutez-moi, le diable a semé une grande confusion en disant aux gens, mais si tu restes chez toi, tu pries. C'est là où tu as la puissance. Moi, je vais te dire un truc. Tu es un égoïste. tu es un égoïste, un égocentrique. Moi, je te dis une chose. Quand l'Église a prié, ils étaient tous ensemble quand le Saint-Esprit est venu. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est resté chez lui et qui a demandé au Saint-Esprit de venir. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que certaines personnes viennent prier que toi tu dis non, si cette personne est là, je ne viens pas prier. Tu n'es pas un frère, tu es un faux frère. Ce n'est pas comme ça. Jésus a dit, à ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Comment se fait-il? Parce que quelqu'un est là, tu ne viens pas. Tu es un frère, tu veux être serviteur, tu veux être servante de Dieu. Moi je ne crois pas en toi. Parce que tu n'as pas la capacité de rassembler. Oh, c'est que des Africains qui sont là, moi je ne viens pas. Tu n'es pas un frère. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Antillais, il n'y a pas de Blancs, il n'y a pas de Rayonnais, il n'y a pas de race. Comment des chrétiens peuvent dire Africains, Antillais, Blancs, Rayonnais? Vous n'êtes pas nés de nouveau. Vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez bu du vin nouveau, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Tu as bu du Beaujolais, mais tu n'es pas né de nouveau. Comment je peux me sentir gêné parce que je marche avec Oena, parce que je marche avec Philippe, parce que je marche avec Eric, parce que je marche avec ma soeur ici, Chimène ici. C'est mes soeurs, c'est mes frères, c'est ma famille. C'est ma famille. C'est quoi ça? Oui, mais c'est des noirs parce qu'ils dansent. Ah bon? Je veux des gens convertis. Ah, je vous dis, je veux des gens convertis. Des gens qui vous êtes des exemples. Partout où vous passez. Moi, je suis content quand je suis avec mes soeurs, quand je suis avec mes frères. Mais je n'ai même pas dans mon cœur, je ne sais même pas de quelle race je suis. Quand on est ensemble, on est la famille de Dieu. Ah, dis avec moi, Seigneur, il faut que ça change. Dis avec moi, Seigneur, je vais monter sur la montagne. Mercredi soir, je veux voir des gens venir à la montagne. J'ai dit vendredi soir, je veux voir des gens venir à la montagne. C'est d'excuses, non. L'onction vient parce que tu désires. L'onction vient parce que je désire aussi. Et ensemble, nous apporterons un changement. Il ne faut pas que des journalistes viennent ici et trouvent des divisions. Des gens, parce qu'on t'a dit de garer ta voiture à tel endroit, tu te fâches. Parce que ta voiture n'a pas le droit d'être sur le gazon. Vous n'êtes pas des convertis. On te dit, place-toi là, mets-toi là, obéis. Personne ne va prendre ta voiture. Si tu veux qu'on te lave tes pneus, on va le faire. Mais quand tu vas chez ton patron te dit, garez-vous là. Tu vas... Mais à l'église, tu veux faire le champion. Oh, le petit là qui vient me dire, oh, garez ma voiture, il m'a pris pour qui, lui? Ah bon, il t'a pris pour qui? Il t'a pris pour un inconverti. Voilà. Garde-toi là, on te dit, obéis. Amen. Alléluia. Non, j'ai simplement fini. J'ai simplement fini parce que j'ai secoué un peu. Et j'ai secoué un peu. Moi, je ne suis pas, vous savez, que vous venez ou que vous ne venez pas, ça ne change pas ma vie. Moi, j'aime Jésus, je suis là où Jésus veut que je vienne. Mais le but, c'est de rassembler le corps de Christ. Pour que dans les années qui viennent, qu'il y ait un impact dans cette ville. Qu'il y ait quelque chose qui change. Pas les pasteurs qui vous flattent pour que vous puissiez donner une offrande. Moi, que tu donnes une offrande ou pas, moi, je travaille, moi. Ben oui. Je ne cours pas après l'offrande des gens. Je te dis de donner parce que je sais que Dieu va te donner. Et tout ce qui est utilisé pour bâtir le corps de Christ. Dans la ville, on commence à connaître la chapelle de la foi. Mais on commence à connaître la chapelle de la foi parce que nous avons des projets. Amen. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Victoria, est-ce que tu peux te mettre et les musiciens?